Bonjour. Eric vient de changer d'hélice. La précédente faisait combien? C'est une 50. Une 50 et quelques. Là, on vient de passer à 70 quadripales. Vous allez voir que le comportement est vraiment... En plus, l'équilibrage est dans. Le comportement est vraiment idéal. Elle va à la vitesse de la coque, c'est-à-dire que vous allez voir l'onde qui fait qu'on ne pourra pas aller plus vite. Regardez. Tu peux revenir vers nous, hein, si tu veux. Le PM Research, je le rappelle, est une machine de 8 cm3 oscillante. Et on tourne à 1700 tours. 1700 tours, faites voir. Où est-ce qu'on le voit? J'espère qu'on le verra sur la radio. Je ne sais pas si le... On pourrait même mettre un manomètre, un retour de manomètre là. Ouais, mais... Ça existe, les manomètres. Je suis impressionné. La fois, j'ai mis la caméra là. Et en fait, j'ai mis un mano qui est dans le champ de vision. Je filme le mano. Ouais. Je trouve que ça me semble quand même beaucoup, 1700 tours. Non, c'est ça. Non mais je te crois, mais ça me semble, c'est fou quoi. À vide, ça tourne à 2500 tours. De toute façon, il est surdimensionné, alors donc c'est tellement puissant que... Voilà, donc 1700 tours minute, hein, c'est fou ça. Bon, il n'y a pas de sifflet. À quelle pression de service tu es là? Tu me disais à peu près 3 bars 3 bars, je pense. À peu près 3 bars. Bah, écoutez, c'est formidable. Donc la PM Research, c'est une machine qui supporte largement une hélice de 70, mais alors sans problème. Hein. Après, c'est un problème de place. Bon, ben voilà, sur ce, les amis, je vous abandonne. Le petit gag, juste pour vous faire rire jaune, j'ai fait tomber ma radio dans l'eau, elle ne marche plus. Voilà. Donc, journée de merde. Le bateau immobilisé parce que j'ai des problèmes de gaz. Et mon ami Eric s'amuse comme un petit fou. Au revoir, les amis.